Salutations, vidéo d'importance entre ce qui est mini ou petite ou petit. Alors, comment dire? Ça dépend de soi et peut-être surtout de toi. Oui, de toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que soit on peut être en bien, il faut choisir aussi parce que il faut pas tout le temps viser trop haut, ici et là. Il faut savoir aussi avoir soit un équilibre ou des bazars comme ça. J'ai pas envie d'avoir l'air chiante. Ce que je suis en train de dire, c'est que franchement, quand on se sent inutile, hein, voilà, il vaut mieux savoir ce qu'on est. Hein. Ça veut dire que, étant une personne humaine, vous savez qu'à un certain niveau, vous êtes plutôt moyen, ou mini, ou petit. Il vous permet aussi de vous sentir moins faible, voyez-vous, de savoir prendre un petit peu moins la fuite. C'est des détails comme ça, il faut en causer. Il y a une petite phrase comme ça, c'est « elle cause plus, elle flingue ». Alors, ça a l'air d'être comme ça, mais en fait, c'est quand même sympatoche, quoi, parce que, allez, qu'est-ce... Ce que je dis aussi comme message par là, allez, il n'y a plus 36 000 choix, quoi. Une personne qui vit tout le temps pour réfléchir. Moi, j'ai beaucoup vécu pour réfléchir. Mais j'ai eu des périodes où c'était l'inverse, mais j'étais très jeune. Mais j'avais d'autres problèmes. Hein. Enfin, c'est normal. Hein. La jeunesse, c'est quoi? C'est pas forcément se sentir naïf, mais peut-être candide, quoi. Donc c'est la même chose, en fait. Ah oui, oui, oui. Bref. Ce que je suis en train de dire, c'est que... le sourire que tu peux avoir peut être relativement déformé. Hein. Ou alors tu peux l'aimer déformé, ça peut te donner un charme. Qu'est-ce qui peut signifier pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est un sourire, par exemple, qui signifie quelque chose ou qui n'est pas symbolique? Tu préfères montrer que tu t'en fous, que tu t'en fiches? Ou bien est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est vital? Tu veux trop plaire, trop... Ou par exemple, tu as une voix cristalline, tu aimes la montrer, etc. Tu l'affiches plutôt à la place qui s'appelle d'un sourire, d'une attitude, d'une répétition relative. Et puis, tout ça, moi je crois que c'est vrai, mais franchement, qu'est-ce que tu veux en penser honnêtement ?